Salut les amis, c'est Monsieur Long, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur American Truck Simulator, les amis. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Nours, hein, bien sûr le camionneur de l'extrême, toujours avec son Kenworth W900. Il devrait changer d'ici le prochain épisode, vous le savez, on va terminer ce trajet. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On était à la moitié, je crois. Oui, voilà, on est à Cheyenne. On est à Cheyenne et on se rend à Las Vegas. Il nous reste à peu près donc la moitié du trajet à faire, les amis. Ça sera toujours, hein, sans le bruit du moteur. Je vous remettrai la petite musique country du dernier épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié cette musique. En tout cas, on perd pas trop de temps. On y va. On démarre le bousin. On se met en vue cabine. Bah oui, j'ai dit on démarre le bousin, mais du coup, on n'entend rien. Vu qu'il n'y a pas de bruit de moteur. Ah oui, bah oui. Non mais attends. Attends le gars, quoi. Hop, allez, c'est parti. Allons livrer cette remorque Walmart. Je sais même pas si on livre à Walmart d'ailleurs. Oula, attention la voiture, c'est des passages. Bonjour. Putain, les PNJ, attention quoi. Hein. Même dans les stations-service, ça roule comme des cons. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Bordel. Bon, allez, c'est parti. Alors moi j'ai pas de bruit de moteur. Vous avez une petite musique country. J'espère que ça vous plaît. Moi j'entends le néant, quoi. J'entends le néant. J'entends les voitures passer, voilà, sur le côté. C'est d'un monotone. Bon, Kikoui, il nous reste 2 km à faire. Il nous reste 728 miles. Ça devrait le faire. Oui, ça devrait le faire. On roule à fond de toute façon. Donc là, on va se déporter pour doubler. Tranquillement. Et on change, hein, bien sûr. On changera de camion à la fin de cet épisode. On ira en acheter un. Hein. Quoique non, on n'ira pas en acheter un parce que j'étais faire un petit tour hier sur les mods avant de faire ces épisodes. Et j'ai remarqué qu'il y avait des nouveaux camions qui avaient été proposés en mode... En mode au calme. En mode, voilà, hein, de nouveaux camions qui seront proposés, donc je vais aller faire un petit tour, oh merde, un excès de vitesse. Je vais faire un petit tour à la fin de cet épisode, et puis je regarderai s'il y a des camions intéressants à installer sur ATS. Et puis comme ça on partira sur un nouveau camion, et peut-être un camion modé, voilà, tout simplement, histoire de se faire plaisir. En espérant qu'il soit mieux que celui qu'on a pris sur ATS, hein, bien sûr. D'ailleurs c'est pareil, sur ATS on changera de camion. Je crois à la fin de l'épisode aussi, puisque je crois que c'est le dernier trajet aussi sur ETS. La dernière partie du trajet, c'est sur ETS, on l'a fait en 3 fois. Il y a quand même 2500 km à faire. Donc on l'a fait en 3 fois et je crois que c'est aussi le dernier trajet aujourd'hui. Du coup, on changera de camion, hein, parce que j'en ai un petit peu marre des camions qu'on a actuellement sur ETS aussi. Je crois qu'on m'avait proposé dans les commandaires un DAF ou alors un MAN. On ira voir ce qu'on nous propose chez DAF et MAN. Et puis bah, je vous laisserai choisir, je pense, sur ETS. On verra. En tout cas, nous ça va. Hein. 379 000 $. Putain, merde, il y a une moto. Les chauffeurs roulent plutôt pas mal. Donc c'est très appréciable. Et là, on va se faire pareil. On va se faire 150 000, je crois, un truc comme ça. On va faire un petit F6 vite fait. 147 000, voilà, 147 000 $, plutôt appréciable. Donc ça va nous faire à peu près 500 000 $ avec les chauffeurs qui devraient aussi terminer quelques trajets, je pense, entre temps. Et là, on slalome entre les voitures sur l'autoroute, c'est juste magnifique, les gars. Ah, préparez-vous pour l'excès de vitesse. Merci, ça fait plaisir. Non, mais oui. Mon dieu! Je suis arrivé comme un benet, je regardais pas. Mais pourquoi tu fais ça, Jean-Michel? Jean-Michel, s'il te plaît, arrête tes conneries. Putain. Alors là, je crois qu'on repart du début. Hein. Je crois qu'on repart de la station service. Putain de merde. Eh oui, on repart de la station service. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est Jean-Michel. Non, je déconne, on va pas refaire le début de l'épisode. Je suis arrivé, mais comme un benet dans ce virage. Mon dieu, quoi. Mon dieu.
Aucune stabilité. Aucune stabilité. D'ailleurs, tiens, faudrait que je regarde ce que j'ai comme stabilité de la remorque sur ATS. Ça se trouve, c'est aussi ça. Hein. Il n'y a aucune stabilité, du coup, là, la remorque... Tang. Oh putain, t'es pas loin de la voiture, là. Ouh, on a failli prendre la voiture en pleine gueule. Bon, bah, c'est reparti. Et oui, je pense jamais, c'est pareil, je pense jamais à faire des sauvegardes rapides. Je devrais sauvegarder rapidement. Ça éviterait ce genre d'inconvénient. Mais ce qu'il y a, faudrait que je le fasse toutes les 30 secondes, du coup. Du coup, ça ferait des petits freeze, parce que quand on fait une sauvegarde rapide, ça fait des petits freeze. Je vais éteindre les pleins phares, par contre. On a pas besoin. Je vais même éteindre les phares. Donc, bon, on est reparti. Hein, 720 miles, ses amis, c'est reparti. On fera très attention maintenant au virage. Hein, ne pas arriver comme des connards. Enfin, comme un connard, parce qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui suis le connard. Par contre, du coup, on a déjà pris deux contraventions. Ah bah non, on a rechargé, donc du coup, non. On n'a pas pris les contraventions. Ça ne les a pas comptées. Ah, voilà, la première. Toujours au même endroit, hein, c'est comme quoi... C'est pas du tout un script. C'est pas du tout un script, les IA. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, non, c'est pas scripté. Hein. Ils sont pas toujours au même endroit. Faut pas croire. Là c'était... Je sais même pas si c'était au même endroit, d'ailleurs, ici. Faudrait comparer avec... le début de l'épisode. Ah là 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 là, quel con. Mais quel con, je vous jure. En plus, on avait bien roulé, parce que là, on a déjà fait 100 miles, on avait au moins fait 200, 3, ouais, pratiquement 200 miles, je pense. Oups là, on a un camion qui est arrêté en plein milieu. Ça, c'est pas bon, Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas en plein milieu de la route, oh. Et putain, obligé de... heureusement qu'on avait le terre-plein au milieu, parce que je pense que là, il y avait l'accident. Il y avait l'accident. Il était aux urgences, même, je pense que j'étais à la morgue. Ah là là là, bon. On retourne à Las Vegas, hein. Mais alors je pense qu'on aura des trajets qui vont nous emmener ailleurs après, hein. On va pas trop rester du côté de la côte ouest. Pour pas non plus, voilà, à chaque fois, enfin, on a fait beaucoup de vidéos sur la côte ouest, du coup. Si on peut repartir sur la côte est ou vers le nord, ça m'arrangerait bien, histoire qu'on visite un petit peu la map des États-Unis et pas non plus que refaire Los Angeles, Las Vegas, enfin... La Californie, le Nevada et l'Arizona, quoi. On aimerait bien faire autre chose. Ça serait agréable. Alors, deuxième contravention. Attention. Il n'a pas envie. Écoutez, les amis, il n'a pas envie de m'en mettre une. Ah, il était en train de boire son café, je pense. Il était en train de boire son café, je passe à 110 miles à l'heure à côté de lui alors que c'est limité à 80. Par contre, c'est ici, je crois. Ouais, c'est ici, on va se calmer tout de suite. Bonjour. Il me semble que c'est ici, les virages... J'ai fait n'importe quoi. Moi, ce que j'aimerais bien trouver... En fait, parce qu'on parlait des camions, justement, modés sur ATS. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est... le camion de Over the Top. Alors, je crois que c'est un Volvo, il me semble. Je crois qu'il roule en Volvo Stallone dans le film. Je ne suis pas certain. Hein. Je suis pas certain. Il faudrait que je re-regarde le film. Mais j'aimerais bien trouver en mode si y a un modeur qui regarde cette vidéo et qui fait des skills ou des camions, hein, en mode. Si c'est possible d'avoir le camion d'Over the Top, ça me ferait trop kiffer. Franchement. Ah, troisième. Film mythique, hein, des années 90, Over the Top, les amis. Connaîtrait pas qui parle de camion et attention qui parle de camion et de bras de fer, bien sûr. Quoi, c'est un milieu macho? Non, c'est pas un milieu macho, le camionnage aux États-Unis. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Donc ouais, j'aimerais bien choper ce petit camion. Je crois l'avoir vu, hein, pendant un temps sur une ancienne version de d'ATS, je sais plus quelle mise à jour, mais une ancienne version, il me semble qu'il y avait le camion d'Over the Top, mais il est pas resté longtemps, du coup je me suis dit qu'il devait être vraiment buggé, ou alors c'était pas le bon camion. Alors je sais plus si c'est un Mack ou si c'est un Volvo, je sais plus, mais je crois qu'il roule en Volvo, je crois. D'ailleurs ça faisait, je crois que ça fait bizarre, justement, parce que c'était pas un camion américain.
pour un film américain, n'a pas utilisé un véhicule américain dans ces années-là, c'était bizarre quoi. Surtout du camion. Oh allez c'est bon, c'est l'agent. On peut pas laisser couler un petit peu. Putain, il y a encore des virages qui tournent. Faut se calmer. On a fait le plein d'essence, oui on avait fait le plein d'essence, c'est nickel. Mais ouais, je vais me renseigner. Je vais voir ce que c'était comme camion. Parce que je suis intrigué. Maintenant. Et ouais, si jamais il y a un modeur qui regarde cet épisode et qui pourrait modder ça, sérieusement. Ça fait extrêmement plaisir d'utiliser ce mode. Le mec qui fait ses courses. Bon après, je sais très bien que j'ai pas de modeur qui regarde des vidéos BTS. Hein. Non plus. Mais bon, c'est jamais, hein, sur un malentendu. Ça pourrait faire plaisir. Donc ouais, cette semaine, pareil, hein, j'ai encore rien rajouté comme mode. J'ai été faire un tour hier, mais j'ai pas vu trop grand chose d'intéressant pour l'instant. Je crois qu'il y a, par contre, je me suis pas renseigné, mais je crois qu'il y a une nouvelle version d'ATS qui devrait être... Enfin, nouveau DLC map, je crois, qui devrait être en préparation, je crois, chez SS Software. Il y a Vive la France, bien sûr, un peu OTS, on en parlera sur OTS, je pense, qui sort en décembre, là. Le 12 ou 13, je sais plus, un truc comme ça. Mais je crois que, ouais, sur ATS, il y a un nouveau DLC map, je crois, qui devrait sortir aussi dans pas longtemps. Alors maintenant, à savoir, est-ce qu'il va être gratuit ou est-ce qu'il va être payant, ça, c'est une autre paire de manches. Pour l'instant, le DLC Arizona avait été gratuit, ce serait cool quand même que ça continue à l'être. On en parle de plus en plus, hein, de... J'arrive trop vite, ça tombe pas. Oh putain, 4% sur la remorque, t'es sérieux. Pardon, excusez-moi, toujours ce petit mal de gorge. On en parle de plus en plus, les amis, de DLC gratuits chez certains développeurs. Là, c'est Ubisoft qui vient de se ranger aussi un petit peu dans cette ligne-là. Ils voudraient donc faire disparaître les DLC payants. Et donc proposer que du DLC gratuit, ce qui peut être sympathique. C'est vraiment 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 cool. C'est vrai que ça fait toujours chier. Alors attendez, est-ce que ça va tourner? Ça fait toujours chier d'acheter un jeu 50, 60, 70 balles, 80 balles avec les versions de luxe, éditeur, enfin collection et tout. Et pas longtemps après, de remettre encore 15, 20, 25, 30 balles des fois. Hein, je parle du DLC The Crew là, 25 balles. Je trouve que c'est extrêmement cher pour un DLC. Donc voilà, c'est vrai que ça fait toujours chier de rajouter des sous alors qu'on a déjà payé un jeu assez cher, je trouve. Donc voilà, c'est cool qu'il y ait des gens qui proposent des DLC gratuits, comme Rockstar le fait, hein, avec son jeu GTA. Tous les DLC GTA ont été gratuits depuis le début. Je ne vois pas pourquoi les autres développeurs ne pourraient pas y arriver eux aussi à faire du DLC, enfin à faire du contenu gratuit. C'est vraiment sympa quand c'est gratuit justement. Ça montre que les développeurs ne sont pas là que pour l'argent aussi, mais qu'ils aiment aussi faire plaisir à leur communauté, aux gens qui achètent leur jeu. Donc moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça très très cool. Et si Ubisoft franchement y arrive, ça sera un gros point aussi pour eux. Malgré que bon pareil ils ont pas une bonne réputation, c'est que ils ont une réputation Ubisoft. Hein, au niveau des serveurs, au niveau des bugs sur les jeux, enfin c'est voilà, vous savez que quand vous achetez un jeu Ubisoft, vous allez avoir votre lot de serveurs blindés, des serveurs qui sont en totale perdition au niveau des connexions, au niveau des déconnexions, et vous savez que vous allez avoir aussi un certain nombre de bugs sur les jeux, puisque les jeux sortent buggés à mort à chaque fois, que ce soit des gros noms, hein, AAA, The Division, The Crew, Rainbow Six Siege, enfin voilà, tous ces jeux-là sont sortis avec des bugs. Ils sont corrigés au fur et à mesure, hein, certes, hein, c'est pas un problème, mais c'est toujours chiant d'avoir un jeu et d'avoir son lot de bugs avec. Et malheureusement, Ubisoft sont un petit peu coutumiers du fait, donc voilà, ça leur fait un petit peu une réputation. Après, pour les serveurs, bon, il n'y a pas que Ubisoft, hein, qui a des problèmes de serveurs, c'est pareil pour EA, c'est pareil pour Blizzard, c'est pareil pour maintes et maintes jeux. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs serveurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils achètent comme serveur, je sais pas pourquoi ils ont toujours autant de problèmes avec leurs serveurs, surtout en faisant des maintenances toutes les semaines sur leurs serveurs, hein. C'est ça le pire. C'est que toutes les semaines, t'as une mise à jour de 3-4 heures de serveur, et même comme ça, ils arrivent à avoir des problèmes de serveur, quoi. C'est chaud. Donc, je sais pas, bon, investissez dans des serveurs, j'en sais rien, faites quelque chose, je sais pas ce qu'est le problème. Je ne connais absolument pas la gestion d'un serveur, mais... c'est chaud de voir toujours ça, quoi. Et chez tout le monde, c'est pas que Ubisoft, hein, bien sûr, c'est
Blizzard, c'est pareil. Toutes les semaines, Blizzard, il y a des tweets en disant les problèmes de connexion ont été corrigés. Vous pouvez profiter du jeu pleinement. Toutes les semaines, tu vois ça, quoi. C'est impressionnant, je trouve. Bon, enfin bon. Voilà, on était pour parler des DLC gratuits. Je trouve que ce serait une très 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 bonne idée. Et qu'on arrête de nous prendre pour des vaches à lait. Hein, voilà, c'est un petit peu le problème. Je trouve que voilà, on est toujours en train de payer, que ce soit partout, hein, dans la société, en France, mais aussi dans d'autres pays sûrement. Hein. Moi je passe sur la France parce que j'habite en France, mais voilà, on est toujours en train de payer. Donc voilà, merci de faire des trucs gratuits aussi, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et ça serait cool. Franchement, ça serait cool de la part d'Ubisoft de rendre tous les DLC gratuits. Alors, je crois qu'il y a une petite nuance justement dans leur proposition, c'est qu'apparemment, il n'y a pas tous les DLC gratuits, mais ils ont dit une bonne partie des DLC gratuits. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent entendre par une bonne partie, mais bon, ça fait bizarre. Soit tu fais tout gratuit, soit tu fais pas gratuit, quoi. Je comprends pas. Donc, on prenne d'eau. En tout cas, voilà. Ils peuvent le faire. Regardez Rockstar. Rockstar le fait depuis des années. Ils ont aucun problème d'argent et... ils s'emmerdent même pas à faire 47 000 jeux Rockstar, ils en ont fait un qui s'appelle GTA, ils peuvent vivre sur GTA pendant de nombreuses années. Regardez, ça fait 3 ans que GTA 5 est sorti, le jeu marche toujours aussi bien, il y a toujours du contenu de qualité. D'ailleurs, le nouveau DLC devrait pas tarder à le sortir, il a été annoncé par Rockstar aussi sur leur site. Un DLC import export qui m'intéresse beaucoup, parce que ça fait penser un petit peu à 60 secondes chrono le film, donc ça va être très intéressant je pense, et encore une fois il sera gratuit. Et voilà, donc ils n'ont pas besoin de sortir maintes et maintes jeux pour avoir énormément d'argent. Il suffit d'en faire un, très bien, où les gens restent justement, de proposer du contenu très longtemps dessus. Et puis voilà, ça marche, ça fonctionne. Après, il y a aussi Red Dead Redemption chez Rockstar, que je vais très certainement aussi faire. Ce qui m'a l'air très 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 prometteur, sachant qu'en plus, c'est les gars de chez GTA qui le font. Ça promet de bonnes choses. Voilà, donc voilà, ce serait cool. Du contenu gratuit, les amis, ça fait toujours plaisir. Bon, on est bientôt rendu ou pas? 160 miles encore. Bah écoutez, on est bientôt rendu. Hop, on va doubler par la droite par contre. Bon, on a 4% de dégâts sur la remorque, ça fait un petit peu chier, mais je crois qu'on en avait déjà, non? On avait déjà au début de. Enfin, sur le premier trajet, on avait déjà eu des dégâts, je crois. Je me souviens plus, mais bon. Bon, au pire, c'est pas grave, 4% c'est 4%, c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Par la droite aussi en même temps. C'est pas forte. Ah putain, le mec il se fait verbaliser pour excès de vitesse, il fait du slalom entre les voitures, il double par la bande d'arrêt d'urgence. Enfin, c'est n'importe quoi. Putain, si les moniteurs d'auto-école voyaient ça, ils seraient en train de pleurer, ils se suicideraient quoi. Non. Ou même les chauffeurs poids lourds, hein. Je pense que s'il y a les chauffeurs poids lourds qui regardent l'épisode, ils doivent se tirer les cheveux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il roule? Comment il propose ça? C'est pas possible. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous, c'est complètement interdit, les amis. C'est complètement interdit. Si vous faites ça, vous risquez de ne pas garder votre permis très très longtemps. Et là, on est rendu dans le Nevada, hein, ça se voit. Ah non, on n'est pas encore rendu, là, on va y aller. Allez, on arrive. On arrive dans le Nevada. Ah non, dans l'Arizona. Très bien, bonjour, vous allez bien? On est dans l'Arizona, et voilà, c'est désertique, hein. On n'a plus de verdure, on a des petits buissons verts, mais bon, ils vont pas rester verts longtemps, je pense. Et on va arriver dans le Nevada, ça va être pire, normalement le Nevada, je crois que c'est là où il fait plus chaud dans le désert, non? Je suis pas sûr, je dis peut-être de la merde, peut-être l'Arizona. En tout cas, voilà, on est dans les endroits désertiques. C'est un avion qui plane là, ou c'est... Ah oui, c'est un avion, ok. Ah, mais c'est un avion comme le Red Bull, je sais pas quoi. Oh putain, il y a du vert quand même. Il y a des arbres. On est à Las Vegas là. Oh putain, tu fais quoi toi, Jean-Michel? C'est pas possible. Donc là, on va se caler là parce qu'il va falloir sortir ici. Quelle heure est-il? Oh bah, on va allumer les phares. Pour l'instant, on voit pas la différence. Allez. Las Vegas. Welcome to the Las Vegas. Allez, c'est parti. Je
Je sais pas ce qu'on va prendre comme camion. Oh oui, j'ai dit qu'on attendrait parce que j'allais voir des modes, c'est vrai. J'étais en train déjà de réfléchir au prochain camion, mais du coup, on verra ça la semaine prochaine en début d'épisode. Je sais pas si on sera dans. Non, je l'achèterai. Je l'achèterai en off parce que si je fais ça en début d'épisode, on va mettre 3 jours à choisir le camion, ça va faire un épisode trop long. Donc, j'achèterai en off et je vous le présenterai en tout début d'épisode pour qu'on fasse ça rapidement et qu'on parte directement faire la livraison. On va se ruiner, hein, bien sûr, même si on a quand même pas mal d'argent de côté. D'ailleurs, j'achèterai peut-être des chauffeurs en plus. Hein, je ferai peut-être ça. Je sais pas si on a un garage à Las Vegas. J'irai voir. Si on a un garage à Las Vegas, j'irai acheter le garage aussi. Et quoique j'ai peut-être de la place dans les garages pour les chauffeurs, donc on verra. Je vais faire ça en off. Hein, je vais mettre ça tranquillement pendant une heure ou deux là et je vais tout faire ça propre. Et surtout, je vais vérifier que le camion qu'on va utiliser aura le bruit de son moteur, parce que c'est voilà quoi. Je sais pas pourquoi, hein, c'est sur le W900 qu'il y a un bug. Enfin, du moins chez moi, hein. Je pense que c'est un mod hein, qui fait bugger ça, parce que je vois pas pourquoi il y aurait pas de bruit de moteur alors qu'on a toujours eu le bruit du moteur depuis le début. Donc je sais pas, mais à chaque fois W900, vous pouvez être sûr, je perds le son. Ah oui, il y avait un feu rouge, tiens. Pourquoi pas. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de mettre un feu rouge. Hop là, faut tourner. Tournation. Alors, normalement là, je peux tourner à droite s'il y a personne, je crois, qui vient. Mais vu qu'il y a du monde, et vu qu'il y a personne. Là, faut que je tourne aussi à gauche. On va aller voir Céline Dion. Est-ce que vous voulez voir Céline Dion ou César Palace? Je ne sais pas si on voit César Palace. Je ne sais pas si ils ont reproduit César Palace. Ils ont essayé de faire quelques casinos, mais je sais pas si c'est vraiment des casinos réels, en fait. Enfin, vraiment modéliser du réel. La pyramide, peut-être. Bon, je suis pas certain. Allez, on est bientôt rendu. Je vais à fond, pas de problème. On n'est pas à une infraction près de toute façon maintenant. Tidi tidi. C'est bientôt fini. Le calvaire est bientôt fini. Alors, est-ce qu'on va faire une garation tranquille ou pas? Qu'est-ce qu'on nous propose? Waouh, hop là, allez. Tant que la remorque sera pas droite, hein, c'est. On livre chez Best Buy alors qu'on a une remorque Walmart. Allez, ça DTL, ça part sur du pognon dans la besace. Et aucun chauffeur n'a livré, au fait. Aucun de nos chauffeurs n'a livré, en fait. Donc on n'a pas gagné d'argent. Allez, 4%, ça fait moins 12 000 $. Ça nous fait quand même 134 000. On passe niveau 23,5. Ça fait plaisir. Niveau 23,5, qu'est-ce qu'on débloque? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre longue distance, vas-y. Pardon. Allez, 500 000 $. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme nouvelle pièce? Même si on va pas garder le camion, enfin on va le garder, hein, bien sûr. Ah, un nouveau moteur, 898 chevaux. Pourquoi pas? Bon, je vais éviter de mettre 53 000 $ dessus. Ah, on a 1200 chevaux aussi.
Le 1200 chevaux. On mettra ça sur le nouveau camion. Les deux nouvelles peintures en custom et City Scale. Ok. Très bien. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais juste faire un petit tour sur la gestion d'entreprise pour voir si les chauffeurs ont pas besoin de changer de truc. Marchandises dangereuses, encore deux, c'est bon. Ça, c'est très très bon aussi. Ça, c'est bon encore. Longue distance, ok. Bah, écoutez, c'est très très bien ça. Continue comme ça, mes petits chauffeurs, ça fait plaisir. Nous, on a 500 000 balles. Qu'est-ce qu'on a au niveau des garages? Gestion des garages, on en a quoi? On en a un Los Angeles qui est full. On a un New York qui est full. Et on a un Milwaukee qui est vide. Donc voilà, je vais pouvoir remplir un Milwaukee. Quoique, non, il va falloir que j'en garde un justement pour mettre mes camions. Les camions, faut qu'ils soient aussi. Ouais. Ou alors je le file à quelqu'un, je le file à un ouvrier. Pourquoi pas. En tout cas, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vite fait, on a l'habitude de regarder les trajets qu'on a après. Offre de fret. De Las Vegas, on a quoi? Little Rock en Arizona. Ah non, en Arkansas. Bah écoutez, on fera ça. Fourniture de bureau, 21 tonnes. On ira livrer de Vistaprint jusqu'à Best Buy. Impeccable. Pour 100 000 balles. Ça fera plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé. Vous pouvez bien sûr partager, liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de suivre ce let's play, mais plein d'autres aussi que je peux vous proposer tout au long de la journée sur ma chaîne YouTube. Nous on se dit rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Salut, bye bye.